Bonjour, bienvenue sur le stand Sakusaku. Je confectionne des sacs d'inspiration japonaise. Qu'est-ce qui est japonais? C'est le système de fermeture qui est très spécifique. Il y a une anse qui est plus grande que l'autre. Il suffit juste de glisser la grande anse dans la plus petite. Vous passez à votre poignet et le sac, il est hyper bien fermé. Voilà. L'idée, c'est de s'alléger. Et il y a tellement d'occasions où on n'a pas besoin de son sac à main. Juste de prendre ses clés et son téléphone. Et ce sac suffit entièrement. Donc, certains sont réversibles. Ça peut être sympa d'avoir deux sacs en un seul. J'en ai fait d'autres avec des poches. Ça, c'est mon premier produit que j'ai fait en créant Sakusaku. Ensuite, j'ai évolué en écoutant les clientes qui m'ont fait leurs remarques et leurs envies. Et donc, mon sac a évolué en celui-ci. Celui-ci est né de ma prof de yoga qui perdait tout le temps ses affaires, qui voulait un grand sac avec ce même système de fermeture. Une grande anse et en un seul geste, il est hyper bien fermé. Lui, il va se porter en bandoulière. Je l'ai entièrement doublé, j'ai fait trois poches à l'intérieur. Alors, je l'ai fait moi-même pour la plupart, mais je peux plus tout confectionner moi-même. Et j'ai mis un point d'honneur à faire une confection totalement inclusive. Du coup, les ateliers de confection avec lesquels je travaille sont des ateliers protégés, des ESAT pour celui-ci ou une entreprise adaptée pour celui-là, par exemple. Retrouvez plein d'autres marques qui fabriquent en France et tous leurs lieux de fabrication depuis votre ordinateur ou votre téléphone sur marquedefrance.fr.